Le vivre ensemble, c'est savoir vivre en société, savoir s'inclure dans un groupe, respecter les uns des autres. C'est aussi la cohabitation pacifique et harmonieuse et un mode de vie sain dans une même société. Nous allons vous présenter le film. Dans le film, il y a de la discrimination. C'est traiter une personne d'une manière moins favorable. L'exemple de la scène où les élèves se moquent d'un blessé de guerre. Il y a aussi du harcèlement. Donc, le harcèlement, c'est porter atteinte à la dignité d'une personne et créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'exemple de la scène où tous les élèves persécutent Just car il est pauvre. C'est sur plusieurs scènes. Racisme, c'est la supériorité de certains groupes par rapport à d'autres groupes, en fonction de l'origine, la couleur de peau ou la religion. Exemple de scène où les élèves ont des préjugés racistes sur l'Angleterre. Le sexisme, c'est le fait de rabaisser le sexe opposé. Exemple de scène, dans l'école, il n'y a pas de filles. L'exclusion, c'est ériger une barrière entre une personne et d'autres personnes. Exemple de scène, Just est exclu car il est pauvre. Support d'études. Résumé de l'histoire inspirée de faits réels. En Allemagne, à la fin du XIVe siècle, un professeur d'anglais découvre à Londres un jeu bien particulier, le football. Pour transmettre des valeurs positives comme l'esprit d'équipe, il décide d'enseigner les règles à ses élèves. Nous allons vous expliquer la scène de départ. Le professeur d'anglais, Monsieur Koch, trouve que ses élèves ont des idées étranges sur l'Angleterre. Le professeur d'histoire, Monsieur Bosch, interrompt le cours en demandant qui a scié un bâton. Félix et deux autres étudiants accusent Dius de l'avoir vu avec une scie. Et il se fait taper les doigts. Le professeur Koch n'est pas d'accord. Dius est exclu car il est pauvre. Koch interpelle Félix en lui disant qu'il aime la camaraderie et le fair play. Nous allons s'appuyer sur un texte fondamental qui est l'article 1 de la Constitution française. La France est une république invisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de religion. La lutte contre les discriminations est un des enjeux majeurs de la constitution de l'Europe des citoyens. Rébellion. Félix va jouer au foot, même si son père n'est pas d'accord. Les élèves bravent l'interdiction des professeurs pour aller jouer au parc. Les élèves suspendant un professeur. Le déchirement du groupe. Ils se battent pendant un match car il n'y a pas d'arbitre. Cohésion. Les élèves jouent tous ensemble au foot. La classe cède pour qu'ils puissent tous aller faire un match de foot contre une autre école. Nous allons conclure. L'engagement collectif, c'est un accord, une participation active de plusieurs individus ou groupes pour une cause ou une mission commune. Cela implique que plusieurs personnes s'engagent ensemble à contribuer, collaborer et travailler dans une direction spécifique pour atteindre un but partagé.